Hey YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui jeunes gens pour le 22e épisode d'aventure sur AC3, de retour jeunes gens en compagnie du délicieux Connor Ratanakatan, et nous sommes bien entendu de retour à Boston. Alors, aujourd'hui jeunes gens, épisode un petit peu spécial puisque aujourd'hui nous attaquons au tunnel de Boston, tout simplement parce que il semblerait que ces lieux regorgent de mystères, et moi qui suis très intrigué et qui suis toujours curieux de découvrir de nouvelles choses, eh bien aujourd'hui jeunes gens, on va voir ce que tout ça nous réserve. On avait déjà eu l'occasion que de déverrouiller un ou deux passages, mais aujourd'hui, on va tenter de tout déverrouiller. Certes, on n'a pas encore assez à New York. Certes, on devrait normalement faire ça plus tard. Enfin, on devrait faire ça plus tard. Normalement, je peux faire ça dans l'ordre que je veux. Mais du coup, on va voir ce que tout ça nous réserve. Je n'ai aucune idée de à quoi m'attendre. Certes, je l'aurais su à un autre temps. Mais aujourd'hui, je redécouvre totalement Assassin's Creed 3 avec vous. Et du coup, nous sommes partis. Nous avons la fameuse lanterne, la fameuse, qui va nous permettre d'explorer les environs. On va regarder un petit peu le plan. Alors, apparemment, je ne me suis jamais attaqué au côté gauche. Du coup, on va d'abord aller voir le côté gauche. Et on va voir un petit peu ce que tout ça nous réserve. De ce que j'ai compris, il devrait y avoir des trucs cachés. En tout cas, c'est vous qui me l'avez dit. Et c'est pour ça que je suis très 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 intrigué. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un raccourci. Enfin, je crois. Ça ressemble à un raccourci. Ah, j'interactionne. Et je ne sais pas du tout où je me retrouve. Je récupère la fameuse lanterne. Et je vois qu'il y a un autre passage auquel je n'ai pas accès, je suppose, parce que ça doit être verrouillé de l'autre côté. C'est exact. Bon, et bah écoutez, attaquons. Attaquons, attaquons. Petite question. Attends, attends. Est-ce que ça va me permettre de gagner l'autre côté? Ouais, c'est ça. De gagner l'autre côté, d'ouvrir le passage et d'ensuite récupérer ma lanterne. Alors, je vois des points rouges et ça me dit d'ailleurs très vaguement quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des ennemis dans le coin, mais la question est pourquoi? Est-ce qu'ils cherchent quelque chose? Est-ce qu'ils se cachent de quelque chose ou de quelqu'un? C'est le mystère que nous allons tenter de résoudre aujourd'hui. Si jamais on arrive à terminer tous les tunnels de Boston aujourd'hui, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis, on fera ça plus tard. Honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre. Ça se trouve, j'ai besoin de capacités nécessaires et obligatoires que je ne possède pas encore, mais tout ceci était très curieux et c'est pour ça que je voulais absolument m'y attaquer. Ok, jusque là on est pas mal, jusque là on est pas mal, je sais pas du tout à quoi m'attendre jeunes gens. J'ai appris des choses concernant les ressources, concernant le développement. Alors j'ai appris des ressources, enfin j'ai appris des choses. C'est surtout que je savais très bien que j'avais pas accès à toutes les recettes. Et c'est vrai que sans les recettes, ça va être compliqué que de développer des trucs. Alors tu peux te lancer dans des combinaisons totalement aléatoires, tu peux lancer des trucs sans avoir les plans. Mais c'est vrai que avoir les plans en main c'est quand même plus simple. Donc on fera jeunes gens un épisode basé sur de la recherche d'annexes à Boston. Mais ce sera plus tard, ce ne sera pas directement tout de suite. On essaiera de faire ça un peu... genre qu'on aura fait au moins une nouvelle cible templier. Voilà. On allume histoire de savoir qu'on est déjà passé. Mais oh là 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 là, tout ceci est très très intriguant. Je ne vois plus de points rouges. Donc j'avoue que c'est bizarre. Je sais pas si je devrais paniquer ou quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup de raccourcis. Pourquoi ça c'est rouge? Je suis le seul qui trouve ça étrange ou pas? Ouais. Tout ceci est très intriguant. Je me rappelle pas qu'on pouvait faire péter des murs dans les tunnels. Et vu comment ça tient, honnêtement, je ne le sens pas trop. Mais j'avoue, je sais pas. Je sais pas. Je pense que je me lance dans quelque chose un petit peu trop tôt. Hein. Ça se trouve, je vais rien pouvoir faire. Là, j'avance sans savoir trop où ça va me mener. Et ça fonctionne toujours. King's Chapel. C'est pas de là que je venais. Et là, c'est Beacon Isles. Ok. Par rapport à la carte, je me développe sans trop savoir où je vais. Bien, progressable. Progressable. Si jamais je me paume, c'est pas grave, je reviendrai sur mes pas. Ou au pire, je me téléporterai. Est-ce qu'on peut se TP? Attends. Ah, on peut se TP. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, mais pour le reste, je ne sais pas s'il y a des passages secrets. Ah, gaga. Bonjour. Est-ce que je peux savoir, bande de bandits, qu'est-ce que vous faisiez ici? Conflit ouvert. Lorsqu'un conflit est déclenché, tuez tous les ennemis, cachez-vous ou quittez la zone. Mais je le savais, ça, messieurs, dames. Attends. Petite question aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas des trésors de dissimulaï dans les tunnels? Ah, j'aurais pu passer par là et les prendre à revers. Ah ouais, ouais, enfin bon, les gars, ils étaient deux, ça va. Je veux dire, niveau difficulté, j'ai vu pire. Mais du coup, ils gardaient quoi, eux? Une sortie? Un passage secret? Une énigme? Une énigme. Quelque chose qui va m'offrir un délicieux secret, un délicieux trésor. Je n'ai aucune idée de ce que ça va m'apporter. Pensez à la vision deck pour voir l'état de la zone. Oh là là. D'accord. Donc il y a des passages secrets. D'accord. Donc en fait c'est un panneau qui s'est écroulé et je peux voir son ancienne position. Bah très bien. Mais du coup si la flèche m'indique par là, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je ne veux pas lâcher cette lanterne. Ça veut dire qu'il y a sûrement une sortie par là. Je crois, je pense, j'espère. Dans quoi est-ce que je me suis lancé? Je vais jamais réussir à en sortir. Oh je pleure. Je pleure. C'est lapin. What the fuck. Attends, je peux interagir avec ce truc? Ah. Je peux
Interagir avec ce truc, faites tourner les manivelles avec le joystick L et R, la porte s'ouvrira quand tous les poulets seront alignés. Ouais, alors attends, ça fait quoi? Ah! Je suis un génie, je suis un fucking génie. Voilà, seulement deux coups ont été nécessaires au Kazma pour interactionner avec ça. Bah parfait, 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 2 pour 3. Et du coup, j'ai normalement localisé une nouvelle sortie. Mais, parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regagne la civilisation, ça veut dire que voilà, je suis de retour à Boston, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je sais pas si je suis obligé de sortir pour valider la sortie. Donc écoutez, par réflexe, je vais le faire, mais si jamais ça devait arriver pour New York et que je n'ai pas encore vos retours, je pense que je me renseignerai histoire de savoir si c'est obligatoire, parce que sinon ça va être compliqué. Bien, de retour à la maison. Alors, nous avons trouvé 3 points d'accès sur 10. Oh là là, ça va être compliqué, mais qu'est-ce que c'est excitant. J'aime beaucoup, jeune gens, c'est compliqué, on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber. C'est niveau action, c'est vrai que c'est zéro, mais c'est sympa. C'est sympa, moi j'aime bien. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. De toute manière, je vous le ferai quand même en vidéo. Donc même si ça vous plaît pas, ça changera pas grand chose. Oh là là. Par contre, c'est un véritable labyrinthe. Hein. Heureusement que les endroits que j'ai traversés sont marqués. Parce que bordel, pour s'y retrouver. Oh, c'est un beau foutoir. Hein. Oh, qu'est-ce que. Alors attendez. J'ai moyen d'aller de l'autre côté en passant. Ah, par là. Nya. Vers de nouveaux horizons. Est-ce que... D'accord, je peux éviter de faire plouf. Heureusement. Oh là 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 là. Je ne suis pas malin du tout. J'avais l'opportunité de ne pas faire plouf et j'ai pourtant fait plouf. Bon, déjà, niveau discrétion, c'est zéro. Tous les rats du quartier savent que je suis là. Mais en plus, je ne voulais pas salir mon délicieux costume. D'ailleurs, des costumes, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a 7 ou 8. Et en vérité, je ne sais pas encore comment les obtenir. On a celui d'Ezio. On a bien sûr celui d'Altaïr avec les synchros totales. Et je me suis toujours pas renseigné. Parce que oui, j'enchaîne cet épisode à la suite du 20e et du 21e. Et c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Mais on a quoi d'autre? On a la tenue du premier assassin de la saga américaine. Donc la tenue qu'on avait croisée dans l'épisode 20. Celle d'Achille en vérité. Et on n'en sait pas plus sur les autres. Donc je me demande bien comment ça va se passer. J'ai fait quoi? Attends. Comprends pas, ça mène où? Ça, ça mène vers la suite. Ça, c'est un cadenas que je ne peux briser. Ma lumière est où? Ma lumière est là. Et comment je fais pour ramener ma lumière? Ça, je peux pas l'ouvrir, évidemment. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, je peux plus interagir. Ça veut dire que j'ai réussi à faire fonctionner le truc. Mais à tous les coups... Ouais, c'est ça. On va avoir un deuxième mécanisme. Voyons voir. Nyaha! Et de ce côté-là, encore une porte de verrouillée. Ah! Je sais pas où je me lance. Très bien. Ça m'a mené automatiquement à mon objectif. Parfait. Voilà. Et... Mais non, attends, c'est problématique. Je veux ma lumière! Excusez-moi, je veux ma lumière. Pourquoi est-ce que je ne peux pas la voir? Est-ce qu'il me faut, genre, des munitions? Attends. Je peux tirer sur... Ah non, je peux pas tirer sur ça. Comment je fais? Ça m'embrouille cette histoire. Ça m'embrouille. Sans lumière, je fais quoi, moi? Sans lumière, je suis coincé. Attends. Si ça se trouve, ce tunnel n'est pas si grand. Ah non, c'est infernal. Il me faut absolument la lumière. Comment je fais pour la récup? Je comprends pas. Oh! D'accord! Oh là là, c'était un monte charge! Très bien! Oui, mais non! Alors attends! Parce que du coup, bon, déjà ça, ça me permet de récupérer la lanterne. Ensuite, je me suis totalement embrouillé parce que, attendez, par là c'était le raccourci, le chemin obligatoire pour récupérer l'ascenseur. Là on a quoi? Là on a l'ascenseur. A savoir que la lanterne, je ne peux pas l'accrocher à ma ceinture. Ça veut dire que je suis obligé d'aller chercher l'ascenseur, d'accord. Oh le bordel. Qui aurait cru? Alors attends. Ah! Double phase de mécanisme pour rien. On réactionne. Voilà. S'il vous plaît. Ensuite, je retourne au rez-de-chaussée. Allez, au pas de course. Voilà. La lanterne dans l'ascenseur. D'accord. Tout ceci est compréhensible, enfin à peu près. Voilà, on réactionne.
Parfait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, très bien. On progresse, on progresse. Bon, en vérité, j'ai passé 3 minutes à essayer de récupérer ma lanterne alors que j'aurais pu utiliser ce temps pour découvrir des mystères, des secrets, des énigmes et des trésors dissimulés dans ces tunnels ténébreux et sombres. Mais je suis mauvais, donc tout ceci ne m'a pas aidé. Heureusement, toutes les lumières restent allumées. Donc comme ça, tu sais toujours où tu es à peu près. J'ai vu un truc qui a bugué là-haut. Est-ce que c'est un passage? Ou pas? Ça paraît beaucoup plus abondé que les endroits que j'ai déjà visités. Bonjour. Bon, bonjour. Suivez les torches pour atteindre une sortie. Ouais. Alors moi, je vois pas de torches. Donc en vérité, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? À gauche, à gauche, à gauche, ça descend toujours plus. Je suis totalement du père. Je suis totalement du père, la pomme de terre. Je pense que j'aurais dû réserver une heure de temps. Parce que là, avec 45 minutes, je suis pas sûr d'avoir le time. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, ça se trouve tout seul. Je pense qu'au bout d'un moment, voilà, t'as tellement zioté un peu partout dans les tunnels que tu commences à t'y retrouver assez vite. Enfin, pas qu'au niveau repère, on soit à fond, parce que là, moi, je suis totalement perdu. Mais quand tu regardes la carte, je pense pas que ce soit très long. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? Mais attends, c'est un truc Illuminati? Mais c'est un fucking truc Illuminati! Oh là là, oh là là, oh là là! Ou alors c'est Assassin's Creed Origins déjà présent bien avant. Ok, alors attends. D'après les flèches. D'après les flèches, c'était à peu près là. Bonjour! Bonjour, bonjour! Non! Même pas, coup de savate! Je te préviens. Voilà. Tu es mort dans ces catacombes, pauvre mec, qui était totalement paumé. Moi je suis arrivé, j'aurais pu le secourir, mais non. Je l'ai totalement savaté. Voilà. Alors, attends, parce qu'au niveau du carrefour, j'ai rien loupé. C'était grand quand même, non? Non, pas du tout. Eh, c'est marrant, on a de la lumière extérieure. Ah, c'est rigolo ça. C'est très très rigolo. Je pensais qu'on était beaucoup plus profondément que ça. Très bien. Très très bien, très très bien. Eh, par contre, il faut y aller pour trouver les sorties, hein. Qu'est-ce que. Attends. Tirer sur le baril explosif pour dégager la voie. Ouais. Alors, moi je veux bien, hein, mais. De toute façon, je peux toujours pas passer. Ouais. Je peux toujours pas passer. Comment je. Attends. Attends, 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 attends. Lanterne. Voilà. Reste là. Ensuite, je te pose. Parfait. Et essayons d'aller. Ah, je peux pas aller voir. Mais qu'est-ce que. Attends, qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis paumé! Miaou! Miaou! Miaou, je vais péter un plomb. Je vais. Attends, mais il y a encore un tunnel là. En fait, je crois qu'il y a des endroits qui sont bouchés et qu'il faut réussir à faire péter à l'opposé, donc dans le dos en général, comme j'ai pu le faire là. Et c'est ça en fait, ça doit ouvrir des passes. Ah, c'est ça! C'est ça, c'est ça, à tous les coups c'était fermé jusqu'à ce que j'intervienne. Oh le bordel, oh le... Bordel, what the fuck. Sounds commence. Ok, bon, c'est bien, je suis arrivé au point final. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir, base de Nemus, I du magistral civil. Ouais. Alors, un maçon est un paisible sujet à l'égard des pouvoirs civils, en quelque lieu qu'il réside ou travaille, et ne doit jamais être mêlé aux complots et conspirations contre la paix et bien-être de la nation. Ni manquer à ses devoirs envers ses magistrats inférieurs, car la maçonnerie a toujours pâti de la guerre, de l'effusion de sang et du désordre. Aussi, les anciens rois princes ont toujours été fort disposés à encourager les frères, en raison de leur caractère pacifique, de leur loyauté par lequel ils répondaient en fait aux chicanes de leurs adversaires et défendaient l'honneur de la fraternité, qui fut toujours florissante dans les périodes de paix. Très bien. Aussi, si un frère devenait rebelle envers l'État, il ne devrait pas être soutenu dans sa rébellion, quelle que soit la pitié qui puisse inspirer son infortune. Et s'il n'est convaincu d'aucun autre crime, bien que la loyale confrérie ait le devoir et l'obligation de désavouer sa rébellion pour ne provoquer aucune inquiétude ni suspicion de politique de la part du gouvernement au pouvoir, il ne peut être chassé de la loge, et ses relations avec elle demeurent indissolubles. D'accord. Mais du coup, c'était juste des infos, je m'attendais à quelque chose. Alors attends, 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 on a quoi? On a une lanterne. C'est bien ce que je me disais. Ah. D'accord. Ouais. Alors moi je veux bien tourner la lentille. Ok. Si j'active un truc, ça fait quoi? Ok, ça fait bouger la couronne. Ah d'accord. Ok. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'il faut pas les mettre... comment dire? Ah, comment ça s'appelle? En forme de pyramide hiérarchique. Oui, c'est ça. Appuyez sur rien pour voir l'astuce. Quelle astuce? D'accord, c'est ça l'astuce. Oh la vache. Oh la vache, oh la vache. Il faut construire une pyramide hiérarchique à partir de ces 4 symboles. Ouais, mais attends, parce que ça fait beaucoup de combinaisons en vérité. Ouais, ça fait un peu beaucoup de combinaisons. L'homme. L'homme sera à la base de tout. Ça, ce serait à la base de rien. Voilà. Moi, je le vois bien comme ça. D'accord, donc ça, ça permet de faire un tour de tout, en fait. Ok. Moi, je le vois bien
Comme... Non, ça marche pas. Si je fais ça et que je fais un truc du genre. Ouais. Je comprends rien du tout, jeune gens. Je suppose que c'est totalement logique. Mais là, sur ce coup, le Kazma a rien compris. Mais il a réussi. Découvrez 5 entrées du souterrain. Est-ce qu'il faut que je les active? Non, déplacement rapide déjà déverrouillé. Bah, très bien, très bien, très bien. Ça veut dire que je ne suis pas obligé que de sortir. Bah, parfait. Parfait, parfait, parfait. D'ailleurs, j'avais totalement oublié. Voilà. Que d'éliminer la zone. Bon, bah, parfait. Parfait, parfait. Je suis déjà à 2 sorties sur 10. Non, 4 sorties, pardon, sur 10. On a presque fait la moitié du travail. On est déjà à 16 minutes. On est bien. Hein, on est parfaitement bien. Je vais pleurer. Attends. Là, on devait tourner à gauche. Enfin, est-ce qu'on pouvait tourner à gauche? Ça, c'est encore autre chose. Je pense qu'à certains moments, j'aurais besoin de me TP, jeunes gens. Hein, parce qu'il y a des passages, je ne sais pas encore comment les déverrouiller. Et c'est bien ce que je pensais. On est de retour au carrefour. Et il n'y avait rien, en fait, ici. D'accord. Alors, attends. Où c'est qu'on pourrait aller? Là, on pourrait tenter d'aller. Voyons voir, voyons voir. Je vais pas tenter de faire un 100% du tunnel, mais je veux au moins trouver toutes les sorties. Et à tous les coups, comment est-ce que j'ai fait pour passer à côté de certains trucs sans les allumer? C'est terrible! C'est terrible, c'est terrible. Et à tous les coups, je vais être obligé de fouiller le tunnel à 100% si jamais je trouvais la sortie. Voyons voir. Par là, j'y suis pas allé. Par là, j'y suis pas allé. Mais, ça veut dire que... Est-ce que ça, ça montre le véritable chemin? Ah! D'accord. Ce panneau n'était même pas présent, en vérité. Là, il y a quoi? Si c'est un carré... Si c'est un carré, si c'est un carré, ça m'arrange. Ça a l'air d'être un carré. Ça a l'air même d'être un rectangle, si vous voulez mon avis. Et c'est un... C'est un rectangle. Bon, ben voilà. J'ai la lanterne. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. On a un autre carrefour ici. Bah, de toute façon, s'il faut, on va retourner en arrière. Hein. Je sais pas s'il y aura des zips ou quoi pour cet épisode. Je sais pas si cet épisode sera long. Mais à mon avis, il est bien parti pour durer. Alors... On suit les flèches, on suit les flèches, on suit les flèches. En fait, il faut que je retrouve les gros carrefours, vous savez, les endroits où ils signalent tous les quartiers. À cet endroit-là, je suis sûr de... Oh là là, de tomber sur quelque chose. Comment je peux faire pour taper des glissades comme ça avec la lanterne sans pour autant pouvoir traverser des endroits où il suffit juste de chevaucher? Enfin, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Voilà. Allez, hop. Terminus. Tout le monde descend. Voilà. Parfait. Et donc, est-ce que je peux... Ah, bordel, je ne peux pas y aller. Bon, ça va. Heureusement, il y a un raccourci facilement. Voilà. Accessible. Parfait. Bien. J'ai de nouveau ma lanterne. Ah, mais de ce côté, j'y étais déjà allé. Oh, bordel de nouilles. Bordel de nouilles de bordel de nouilles. Voyons voir. Ah, parfait. Je suis à un nouveau carrefour. Alors, Four Isles, on l'a pas encore fait. Eastfield, on l'a pas encore fait non plus. Eh ben, on est parti, jeunes gens. Allons-y. Partons à l'aventure. À la recherche de nouveaux lieux à explorer. En fait, c'est ça, faut trouver les gros carrefours des tunnels. Nya. De toute façon, évidemment, vu qu'il y a un épisode basé sur les tunnels de Boston, il y aura aussi bien sûr un épisode basé sur les tunnels de New York quand on y sera. Il y a quelqu'un. Hello! Salut les filles! Comment ça va? Bah alors, ça fait plaisir de voir des gens. Bon, on les a pas vus longtemps, mais ça fait quand même plaisir. Voilà, parfait. Alors, tout ceci est très très bien. Tout ceci d'ailleurs est très très sombre. Et il gardait apparemment un passage. Je pense que c'est ça en fait. Dès qu'on croise des soldats, des bandits ou autres, je pense que ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Oui, 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 oui. Il y a ça à la raccourci. Il y a ça à la raccourci de Boston. Ah, mamma mia. Il faudra aussi que je me concentre sur les missions de postage et tous les autres trucs à faire qui sont pas spécialement intéressants, mais qui seraient bons de faire pour la suite. Ah, ah, parfait. Je crois qu'il était cassé. Ok, parfait. Parfait, parfait. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin, je sais maintenant que c'est ici. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, pourquoi il y a de l'eau? La sortie est là. Ok, la sortie est là, voyons voir. J'ai l'occasion de mettre un peu de lumière. Parfait, est-ce que j'ai accès de là? Ah mais j'ai accès de là, attends. Comment ça se fait, comment ça se fait que j'ai accès de là? Il y a quoi par là? Par là, par là, par là. Je dois pouvoir y accéder avec la lanterne. Mais à tous les coups, il faut encore ramener la lanterne. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est un sacré... Oh là là, attends, 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 attends. On va pas trop se déployer. Voilà, par là on sait qu'il y avait une sortie. Non, attends, il n'y avait pas une sortie par là? Ah, bordel, je me suis perdu. Je suis en train de tourner tout autour. Je suis en train de tourner tout autour. Est-ce que ça revient? Oui, parfait, ça a l'air de revenir. Ok. Ouh, j'ai paniqué pour pas grand-chose. C'est bon, c'est un rectangle. C'est un... Oui, c'est un rectangle, là. Hein. Eh, attends, 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 attends. Où c'est que je suis en train d'aller, là? Où c'est que je suis en train d'aller? Je suis pas du tout en train de poursuivre du bon côté. Ah, ça va pas. Ah, ça va pas, ça va pas. Je retourne en arrière. Je retourne en arrière, tu vas voir que sinon à tous les coups je vais oublier ce raccourci. Et ce sera le dernier qui va me manquer et je vais pas du tout apprécier. Non, non, non. Donc c'était par là. Ouais, c'est ça.
Heureusement, j'arrive plutôt bien à me situer avec le radar. Donc, alors, j'ai accès à la porte d'ici. Allons voir. Allons voir, allons voir. Et par là, il n'y a pas d'autre passage. Ouais, c'est ça, en fait. C'est totalement isolé du reste. Et ça, c'est... D'accord. C'est juste une serrure à crocheter, ce bidon. Oh, poire à lavement. Voilà, on cherche le point G. Parfait. Et on titille. On titille, on titille, on titille, on titille. Ah, et là, on a stick. Allez, 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 allez. Oui. Et c'est tout bon. Nouveau quartier de déverrouiller, 3 sur 5. Et du coup, normalement, déplacement rapide obtenu. Parfait. Parce que si jamais j'ai besoin d'un problème et que j'ai besoin de revenir en arrière, Dieu sait que je serais content de l'avoir, celui-là. Parce qu'il est un peu au centre de tout, en plus. Enfin, au centre. Attends, attends, attends. Si je regarde la carte, ouais, au centre de tout, c'est pas réellement vrai, en vérité. Putain, mais c'est un bordel sans nom. Et j'ai même pas... Bah si, 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 ça y est, jeune gens, on a fait la moitié. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors attends, parce que j'avais commencé à me lancer à gauche. Allons voir ce qu'il y a à droite. Si jamais ce n'est pas par là, ce serait bien que ce soit pas par là en vérité. Comme ça, j'aurais une seule opportunité plutôt que plusieurs. Oh bordel, je suis encore en train de me déployer, je sais pas où. Je vais m'ouvrir des raccourcis de partout dans les tunnels. Tu vas voir, tu vas voir. Alors attends, pourquoi j'ai un curseur d'activé là? Pourquoi? Voilà. Désactive-moi ça. Qu'est-ce que? 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 Qu'est-ce que, qu'est-ce que? Je suis en train de revenir en arrière. Je suis du père, la pomme de terre. Attends, si j'actionne ça, j'espère juste un truc, c'est qu'il n'y aura pas encore d'autres balles à faire péter. Parce que si c'est le cas, en émission, voilà, j'en ai que 6. Donc ce serait cool de pas trop me jouer des tours. Ok, là c'est totalement fermé. Je vois des points rouges, c'est bon signe. En soi, c'est bon signe. Je crois que je me suis perdu. Non, attends. Je reviens... Ah! Sur une zone que j'ai déjà visitée. Ça veut dire que c'était un rectangle. Ouais, c'est ça. Parfait, parfait. Bon, ce côté-là, c'est fouillé. Et il n'y avait rien, jeunes gens. Est-ce qu'il y aura des ellipses? C'est une très très bonne question. J'avoue moi-même me poser la même question. Attends, où je reviens, là? Où je reviens, où je reviens? Je suis du père. Je suis du... Oui, d'accord, c'est bon. C'est bon, je reconnais ce carrefour. C'était juste après la ville. Enfin, juste après le raccourci de la ville. Ok, donc là, ah bah là il y a carrément rien, bah c'est encore mieux. Bah voilà, excellent, 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 ça veut dire qu'il me reste qu'ici. Qu'ici pour atteindre de nouveaux horizons, en espérant qu'il y ait quelque chose. Honnêtement, j'y crois pas, parce qu'il n'y a pas de marqueur au sol. Et même avec la vision deck, j'ai pas l'impression de trouver grand chose. Attends, quoi? Nani? Ah mais oui, d'accord, 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 j'avais déjà visité. Ok, 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 on poursuit, on poursuit. Oh là là, oh là là, oh là là, mais dans quel problème je suis en train de me foutre? Oh! Ok, on a trouvé un nouveau marquage au sol, jeunes gens. Tout va bien. Alors, tu me dis quoi? Tu me dis à droite. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Moi, dès que je trouve des marquages comme ça, je suis heureux. Je suis heureux parce que ça veut dire que je suis sur la bonne route. Tout va bien. Bonjour! Bonjour, bonjour, je vois des points rouges. Ça veut dire que je me rapproche de civilisation, mais ça veut dire aussi... Voilà! Qu'il y a une sortie à proximité. Parfait! Parfait, parfait. J'adore parce que le mec, il se signale... mais si tu vois un gars comme ça dans les tunnels, surtout à cette époque, je pense que le mieux c'est de taper dedans, hein. Je pense qu'il faut pas réfléchir longtemps. Bah bien, 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 bien. Et je poursuis mon ascension sans trop savoir où je me rends. Ah, attends, est-ce que j'ai des marquages pour m'aider un petit peu? Zéro marquage pointé. Excellent. Excellent, excellent. Parfait. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Ah, cul-de-sac. Très bien. Très, très bien, très, très bien. Quelque part, je suis plus content de tomber sur des cul-de-sac que sur les verrés. Table passage, parce que ça veut dire que s'il y a des cul-de-sac, ça voudra dire que ça pourra pas être là. Il y a des bruits flippants quand même, hein. Je suis sûr que ça vient de la ville au-dessus, mais ouais, c'est pas très gai quand même. Des fois, ça la met un peu mal. Ça la met un peu mal. Ouais, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Alors, voyons voir. Ce truc-là s'actionne à la lumière ou quand je marche dessus, j'arrive pas à savoir. Alors, d'après ce truc-là, c'est par là. Excellent. Excellent, Nani. Est-ce que je peux? Je peux pas tirer, bordel. Attention! On recharge, on recharge, on recharge. Voilà, on passe à un délicieux moment. C'est pour ça, jeunes gens, que vivement que j'obtienne le double étui. Comme ça, on pourra tellement faire plus de café. Ah, carrément! Carrément, carrément, ça m'explose au visage. Je m'attendais à un raccourci sur le teco. En fait, c'était pour ça, c'est parce que c'était marqué en rouge. Et c'est encore une énigme à la lanterne. Bon, alors déjà, Ah, je peux pas éclairer la zone cette fois. Ah, dommage. Bon, tant pis. Voyons voir. On a droit à une nouvelle énigme. Numéro 3 des loges. Qu'est-ce que... Mais non, attends. Ah, j'ai pas les infos. J'ai pas les infos. Non, c'est sur Tarte. D'accord.
Alors, une loge est un lieu où les maçons s'assemblent pour travailler, d'où le nom de loge qui est donné à l'assemblée ou la société de maçons régulière organisée, et l'obligation pour chaque frère d'appartenir à l'une d'elles et de soumettre à ses règlements particuliers ainsi qu'aux règlements généraux. La loge est soit particulière, soit générale ou grande loge. D'accord, donc c'est soit luxueux, soit normal, soit carrément pauvre. Dans les temps anciens, aucun maître ou compagnon ne pouvait s'en absenter, spécialement lorsqu'il avait été convoqué, sans encourir une sévère censure, à moins que le maître ou les surveillants n'aient constaté qu'il avait été empêché par une impérieuse nécessité. Ok, il y a des mots trop compliqués en vérité. Les personnes admises comme membres d'une loge doivent être des hommes bons et loyaux, nés libres, ayant l'âge de la maturité d'esprit et de la prudence, ni nerfs, ni femmes, ni hommes, immoraux ou scandaleux, mais de bonne réputation. Oulala, qu'est-ce que c'est encore que cette énigme à la mort moelle-neuve ? Je suppose que c'est encore une espèce de pyramide hiérarchique. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, attends. Il parlait de hommes et femmes tout à l'heure. Est-ce que j'ai accès ? Ok, avec Y, j'ai accès à l'astuce. Voyons voir. Ni homme, ni femme, ni cerf, ni homme immoraux, scandaleux. Ouais, c'est compliqué, hein. Eh, c'est compliqué. Ça va là. Ça va là. Non, ça bouge pas. Attends. On va essayer toutes les combinaisons en vérité. Hein. Ce sera plus simple. Voilà. Peut-être que ça devrait être là. Moi, ça me paraît normal que ce soit un truc comme ça. C'est triste de dire ça, jeunes gens. Hein, parce qu'en vérité, voilà. Il y a eu une phase où les femmes n'étaient pas du tout respectées. Et c'est pour ça que je pense que ça pourrait être la solution. Pas du tout. Oh là là, c'est compliqué à déchiffrer ce truc. Qu'avait votre compagnon ne pouvait s'en absenter, spécialement parce qu'il avait été convoqué sans encore une sévère censure. Ouais. Maquet, il ne comprend rien. Attends. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? On n'a pas essayé de mettre ça en bas. Voilà. De faire ça. Parfait. De faire ça. De déplacer celui-ci à gauche. Et voilà, jeunes gens, 4 sur 5. Seulement 4 sur 5. Je pensais que j'avais fait 5 sur 5. Et j'avais pas vu qu'on pouvait poser de la lumière là. Bah, je me disais bien. Parfait. Alors, attends. Si je regarde, normalement, j'ai 6 points. Oui, j'ai 6 points. Parfait. Ça se développe de plus en plus. Voyons voir. Il y a une grande zone là. Ça pourrait être pas mal d'y retourner. On avait une grande zone là. Moi, je serais pour retourner ici et aller à droite. On va faire ça. Ok, rebonjour. Nous y revoilà, jeunes gens. À l'âme, à droite. Je vous avais dit que ce serait bon que de récupérer ce point-là. Surtout qu'il est un petit peu au centre de tout. On est à 6 sur 10. Je pense qu'on devrait largement avoir le time que de tous les faire aujourd'hui. En espérant qu'on ait toutes les ressources nécessaires. Ça va être autre chose. Parfait. Mais du coup, progrès, Sam. Bien. De retour au nord du port. Très bien. Alors, tout droit. Tout droit, ça me mène vers où? Tout droit, ça me mène vers nulle part. Bah, parfait! Parfait. J'adore me diriger vers nulle part. En général, ça mène toujours à quelque chose. Excellent. Poursuivons. Des lumières par-ci. Voilà. Des lumières par-là. On apprécie ce genre de choses. Ah ah! On a trouvé un point qui mène à un nouveau raccourci. En espérant qu'il ne m'emmène pas vers là-bas. Ah ah! Tu m'emmènes à gauche. Parfait! Parfait. On va pouvoir taper le 7 sur 10. Excellent. What the fuck? Je crois que j'en ai jamais eu deux aussi vite. Y a-t-il une lumière? Voilà, à proximité pour réactionner ce truc. Alors, tu me dis quoi? Tu me dis encore à gauche. Et bien, réaction à gauche. Voilà. La petite lanterne à placer. Parfait. Toujours pas d'indication sur où je dois me rendre. On va taper à gauche encore. Je ne sais pas du tout où je me dirige. J'espère que c'est le bon chemin. J'ai l'impression que je me suis fait couillu. Ouais, ça sent la bonne couillade. Vous la sentez la bonne couillade? Moi, je sens la bonne couillade. Ah ouais, puis c'est de la bonne couillade fraîche en plus, hein. Oh là là. Ouais, bon, d'accord. C'est de la couillade. Bon, voilà. C'est pas grave. Au moins, comme ça, de ce côté-là, c'est nettoyé. Parfait. Voilà. Alors, à gauche. À gauche. Je remonte de plus en plus. Des fois, j'ai vraiment l'impression d'être juste en dessous de la ville. Et quand je me tape des escaliers en montant comme ça, je me demande vraiment à quelle hauteur je suis en vérité. Parce que tout ceci est très perturbant. Et je crois pas que Boston soit installé comme Los Angeles, c'est-à-dire totalement sur une pente. Donc ça me paraît étrange. Voilà. Excellent. De quel côté? Gauche, droite? Je dirais qu'à gauche, c'est un cul-de-sac.
Pourquoi je m'attends à un cul-de-sac? Oh, je suis trop doué. Oh là là là. Qu'on donne à cet homme la médaille du repère dans les tunnels de Boston. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Nyaha. Continuons. Oh là là, mais c'est vaste ici, eh. Attends, attends. Voilà, j'éclaire ça. Je suis toujours pas tombé sur des bandits. Je m'inquiète. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh la vache. 7ème point sur 10, jeunes gens. On est good. Alors, voyons voir celle de gauche. Oh, attends. Ah, non, attends. J'étais presque. Et voilà. Ah, le fucking génie. Ah, le fucking génie. Putain, mais ces portes me résistent pas. Oh là là, oh là là, c'est tellement pas les portes de la difficulté. Ok, 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 ok. Bon, eh bien, on est tout bon. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui me reste? Apparemment, il y a un passage ici où je ne suis pas allé. Eh ben, écoute, on va aller voir. Alors, je pense que c'est un rectangle. Mais qui ne tente rien, n'a rien. Il y a aussi quelque chose là. Il y a aussi un gros truc là qui est annoncé. Et on a un petit aperçu par là. Il y a encore plein d'endroits à explorer. Vous inquiétez pas, jeunes gens, si jamais je ne trouve rien. De toute manière, pour vous, c'est ellipse, donc vous ne perdez rien. Alors, voyons. On avait dit d'abord à gauche, puis ensuite, il fallait remonter à droite, mais, il faut que je fasse attention parce que je sais plus exactement c'était de quel côté. Et bah c'était tout droit, parfait, 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 parfait. C'est vrai qu'on perd du temps en vérité à allumer les lumières, on va peut-être plus allumer toutes les lumières, jeunes gens. Sinon ça va prendre 107 ans, ok, 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 bon ça va, c'est un rectangle, je l'ai bien compris, ouais c'est ça. C'est un rectangle qui me ramène au même. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Mais au moins comme ça je suis sûr qu'il n'y avait rien de ce côté. Alors, maintenant je vais me rendre ici. Voilà. Allons voir ce qui se cache à cet endroit. Ce qui va être compliqué c'est quand on va chercher le dernier point. En vérité le dernier raccourci, celui-là. Oh, il va tellement nous demander de l'effort. Alors par contre ce qui m'embête c'est qu'il me reste que 20 minutes pour agir. Donc on va tenter de faire ça vite, jeunes gens. Normalement je pense qu'en 20 minutes ça devrait être réglé. Maintenant, il suffit juste d'avoir de la chance, n'est-ce pas? Et de pas tomber sur quelque chose qui va me demander d'utiliser une technique que je ne possède pas encore. Parce que sinon, je serais dégoûté. Pourquoi je tape un méga sprint là d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? J'ai paniqué. Non, c'est bon. Tout va bien, qu'est-ce qui se passe quoi? Beaucoup de chemin se découvre à moi. Ouais, c'est ça en fait, c'est quand je traverse à chaque fois une zone de ce genre là. Et en fait, c'était un rectangle. Et en fait, c'était un rectangle. Et en fait, c'était un fucking rectangle. Ah là 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 là, mamma mia. Alors, de ce côté-là, c'est tout bon. Ok. Et bon, on va aller voir à côté, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. On gagne beaucoup de temps maintenant qu'on n'éclaire plus rien, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'on va sûrement avoir tendance à s'embrouiller. Je pense que le vrai côté RP, c'est quand tu le fais sans HUD. Hein. Je sais pas si on peut désactiver le radar, mais si on peut le désactiver, c'est ça la difficulté en vérité. Ok, on est tout bon, jeunes gens, c'est tout droit. Allons-y. Voyons voir, voyons voir. Par là, ensuite... Ah, ah. Oh oui. Oui, 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 oui. Là, ça sent le raccourci. Alors, attends. À gauche. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Je crois que j'ai pris le mauvais chemin. J'ai cru entendre des voix. J'ai été le seul. Oh là là, oh là. Ouais, 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 ouais. Je sais pas si j'ai pris la bonne route. Non, j'ai pas pris la bonne route. J'ai pas... Ah, quoique. Quoique, quoique. Quoique, quoique. Oh, 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 oh. Attendez, attendez, attendez. Et fuck! Quand je vous avais dit qu'il pouvait y avoir des tunnels de 8 km de long sans avoir de véritable sortie et seulement un cul-de-sac. Je suis deg, mais je suis tombé sur un point très intéressant. Parce que là, il y a beaucoup de branchements. Donc ça veut dire qu'à un moment, je vais trouver un raccourci. C'est obligé. C'est obligé, sinon je pleure. Je vous préviens. Hein. C'est obligé. Non, mais j'ai vraiment l'impression d'entendre des voix. Bonjour! Bonjour, bonjour! Bah voilà! Le 8ème que je cherchais avec une énigme encore foireuse. Alors, voyons ça. C'est le mien, hein, concernant Dieu et la religion. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah, ça va, c'est pas si long. Alors, un maçon est obligé de par sa tenue d'obéir à la loi morale et comprend bien l'art. Il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irrégulier. Mais quoique, dans les temps anciens, les maçons fussent tenus dans des tenues chaque pays d'être de la religion, quel que fût pays ou cette nation. Néanmoins, il est maintenant considéré plus expédient de seulement les astreindre à cette religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord, laissant à chacun ses propres opinions. C'est-à-dire des hommes de bien et loyaux ou hommes d'honneur et de probité. Oh la vache, il y a tellement des mots compliqués. Et des mots anciens en fait, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est du vieux français. Quelles que soient les dominations ou confessions qu'ils aident à distinguer, par suite de quoi la maçonnerie devient le centre d'union et de moyen de nouer une véritable amitié sincère entre des personnes qui n'auraient pu que rester perpétuellement étrangères.
Ok, donc tout tourne autour des maçons. Est-ce qu'on parle de la maçonnerie en général ou est-ce qu'on parle d'un truc qui n'a strictement rien à voir? Alors moi ce qui m'étonne c'est que je pensais que la lanterne servait à allumer... Bah cette lentille, cette lanterne, cette... Bah ça en fait, mais apparemment ça ne sert à rien. Alors, voyons voir. Je vois bien le globe en bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vois bien l'église en haut, pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Voyons voir, on va tenter de déplacer ça. Non, voilà, je veux déplacer ça. Non plus, on va déplacer ça avec le globe. Parfait. Je ne sais pas du tout ce que je fais, je ne comprends rien à cette énigme. Rien ne va plus, jeune gens, rien ne va plus. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle était dure celle-là. Bon, on progresse. C'est ça l'objectif non plus. Oh la vache. Bon, on est donc à 8 sur 10, jeunes gens. Que c'est dur. Mais au moins, on est content à la fin parce qu'on est récompensé. Ce mur est rouge, mais totalement rouge. Donc je ne pense pas qu'il réserve un secret. Alors, les choses progressent plutôt pas trop mal. De ce côté-là, on a permis de développer un petit peu le tunnel. Et de ce côté-là, il semblerait qu'il se cache quelque chose. Est-ce qu'on va d'abord revenir tout au bout de cette route. Et puis, on tapera un sprint sur la gauche. En espérant y trouver quelque chose d'intéressant. Si jamais il n'y a rien, et ben je me téléporterai jusqu'à un autre point. Histoire de voir si je n'aurais pas loupé quelque chose. Oh, ça sent le rectangle. Ouais, c'est un délicieux rectangle. Ah là, on le valide. Voilà, c'est un rectangle. Alors, et là, c'était quoi? C'était un fucking cul-de-sac. Ah, mamma mia, je déteste ma vie. Je déteste ma vie, mais attends, c'était même pas le raccourci. Attends, c'était même pas là que je devais aller. Ah non, c'était même pas là que je devais aller. Où c'est que j'ai trouvé un chemin? Ah là, et en plus, ça mène vraiment quelque part. Ah bah parfait, parfait. Donc là, je suis sûr de tomber sur quelque chose. Là, je valide. Voilà, et là, je mets une petite lumière. La lumière de la récompense, la lumière de l'amour, la lumière de la trouvaille. Alors, attends. Éclaire mon chemin. Sol, Templier, Sol, Illuminati, Sol, Sol, Illuminati. Parfait. Il répond mieux à ça. Alors, voyons voir. Bonjour, à gauche ou à droite? On va tenter à droite cette fois. On part toujours à gauche. C'est vrai que dans le labyrinthe, je crois qu'il faut toujours aller vers sa droite en vérité. Et moi, comme un couillu, bah, je vais toujours à gauche. Et tout ceci, du coup, nous emmène toujours dans des impasses très intéressantes. Ouais, je crois que j'ai tapé le bon chemin. Est-ce qu'on valide le chemin? Eh, peut-être pas. Ah, quoique. Oh, si. Alors, voyons voir. Oh, c'est très intéressant tout ça. C'est joli par ici, enfin c'est joli. C'est une façon de voir les choses, hein. On est quand même dans des tunnels délabrés. Oh là là. Avec des vagues qui peuvent me tomber dessus. Très bien, je note. Putain, c'est génial comme truc. Non. J'ai voulu aller à gauche. Pourquoi tu n'es pas allé à gauche, Connor? Respecte-moi. Non, à gauche. Non, mais tu le fais exprès. T'étais même pas dessus, Connor. Attends une minute. Ça met de verrou, ça. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? D'accord, c'est juste un point de vue. Ah d'accord, je pense que par la suite j'aurai l'occasion de plonger pour aller chercher la lanterne. Ah oui, donc des fois vous arrosez carrément à deux. Ah, vous êtes comme ça. Attends. C'est bon, ça s'est bien passé. Allez à droite, Oui, parfait. Parfait. Et là tu tapes à droite vite. Ah, je suis un génie. Je suis un fucking génie. Oh la vache, Un génie qui a quand même du mal à escalader, hein. Ouh. Et à retomber sur ses patouilles. Alors, on poursuit. On poursuit. Ok. Bonjour, il n'y a pas du tout d'ennemis par là. J'ai pourtant l'impression de me rapprocher d'un raccourci et pourtant... Cette impression de régression qui palpite dans ma poitrine. Et oui, en plus c'est une ligne que j'aime bien. Parfait. Bon bah voilà, on est tout bon. Ah, je peux carrément les éteindre. Très bien. Bah écoute, oui mais non. Voilà. Parce que moi je suis un assisté de la life. Je suis mauvais si le jeu ne m'aide pas. Donc, on est parti. Ah. Ok, j'ai peut-être fait le malin. Il est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Ouais, j'ai fait le malin. Pourquoi j'ai fait le malin? Voyons voir. Ça agit sur les deux d'en bas et ça sur les trois. Oh le calvaire. Attends. Il faut que je mette celui d'en haut dans la même position que celui d'en bas. Ouais. Alors moi je veux... Voilà, parfait. Là j'en ai trois dans la bonne position.
Si je fais ça. Si je fais ça. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Oh. Oh, le génie. Oh, le génie. Oh, là, 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 là. 2 pour 3. Succès déverrouillé. Enfin, succès, c'est un succès du jeu, mais... Bon, alors. Réflexion quand tu nous tiens. Réflexion quand tu nous tiens. Il nous reste, jeunes gens, un seul raccourci à trouver. Quelque part perdu dans ces tunnels. Mais. Chose intéressante à savoir, puisque les tunnels, ça a déjà bien nettoyé. Mais, il pourrait y avoir un truc là, en vérité. Ou là. Celui-là, je crois y être déjà allé, c'est pour ça que ça me perturbe. Là aussi. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. On va se téléporter à King Chapel, et puis on va aller voir de ce côté-là, tout simplement, en espérant que ce soit pas un rectangle. Il s'agit plus précisément de Bacon Isles. Je pensais l'avoir déjà eu, Bacon Isles. Bon, bah écoute, j'ai cru. Allons voir. Est-ce que c'était un nouveau carrefour? Et cette fois-ci, c'est bel et bien à gauche. J'ai bien dit ma gauche. Oui, parfait. Je redescends, je me dirige vers ma gauche. Une nouvelle fois vers ma gauche. Et ainsi, je me rapprochais de l'ennemi. Tiens, de l'ennemi qui a repop. Bonjour, mesdames. Bonjour, bonjour. Un plaisir de tomber sur des copains. Surtout que vous étiez les premiers à qui j'ai botté le cul en arrivant dans les tunnels. D'ailleurs, je me rappelle que la première sortie que j'ai trouvée, j'ai quand même mis du temps à la trouver, celle-là. Hein. Attends. Là, on remonte tranquillement. Là, on s'arrête ici. Et normalement... Ah, parfait. Nous sommes dans une zone carrefour. Bon, bah, c'est bon. Plus besoin de la carte. Non, attendez. Voilà, je vais fermer la carte sur mon portable. Ok, c'est parti, jeunes gens. Direction le dernier raccourci de Boston. Et on marque le coup, voilà. Avec une première lumière, histoire de faire bien les choses. J'espère réellement qu'il y aura une récompense après ça. Oh, je serais tellement content, un petit coffre, une petite récompense, une petite friandise. Un petit truc pour faire plaisir au Kazma. Ah, fuck. Fuck. J'ai dit un truc pour me récompenser, j'ai pas parlé de ça. Bon, heureusement c'est... Ah, pas une cage d'ascenseur. Je me suis fait mal, un peu quand même. Un peu. Ah, de l'eau. Attention, je suis allergique à l'eau. Et oui, ça existe. Kazma est allergique. Ah, je suis allergique. Non, je fonds. Ah, blablabla. Bon, c'est pas grave. Par contre, ce qui est problématique, c'est que je dois faire tout le tour juste pour gagner le premier point. J'adore. J'ai pas compris pourquoi j'ai plongé. Pourquoi j'ai pas... Attends. Il y avait un truc... Pourquoi je me suis pas raccroché? D'accord, parce qu'il fallait que j'appuie sur B au même moment. Bah parfait. Bah très bien. Très bien. Voilà. Et d'autre côté... Ah, c'est pour revenir plus rapidement. Excellent. Ah, mais je suis obligé de revenir. D'accord. Nyaha. C'est muscle... Attends, je comprends rien là. Je vais où? L'aventure n'est pas finie. Olé. Voyons voir. Là, si je tombe, jeunes gens, c'est la boulette. On recommence tout. Donc, on va faire... Ah! Oh la vache. Très attention à ce qui se passe. Allez. Parfait. Oh la vache, la difficulté de celui-là. Ouh! Il aura bien mérité d'être le dernier. Très bien. Bon, moi, je suis content. J'aurai validé les tunnels de Boston. Et on pourra passer à autre chose par la suite. Très bien. Bonjour. Je cherche la sortie secrète. Et j'ai vu qu'il y avait des méchants bandits qui m'attendaient à l'autre bout du tunnel. Je suis content. Je suis la satisfaction. Montrez-vous. Pour fêter ma victoire, je ne demande que ça, qu'on s'en lasse. Bonjour. Et en plus, tu es seul dans les tunnels et tu mourras seul. Bah, what the fuck. Très bien, ils sont deux à avoir popé. C'était du grand n'importe quoi. Ouh, quel bordel. Voilà. Voilà, c'est quand je suis à des hauteurs comme ça que j'arrive pas du tout à savoir où j'en suis au niveau de Boston. Est-ce que je suis réellement juste en dessous ou est-ce que je suis encore à 3 ou 4 escaliers de la liberté? C'est une très très bonne question. Oui mais encore. Parce que j'entends le TGV qui passe, le RERB, direction Massy. Qu'est-ce qui se passe? La sortie est là? La sortie est là ou pas? C'est la première fois que je dois laisser ma lanterne en arrière pour aller chercher... Une fucking sortie! Mais oui, ça finit en plus sur une astication! Oh le plaisir! Pour un lavement, voilà! Allez, on trifouille! Et c'est parfait! Allez! Oui! Ah! Ah! Ah, c'est le plaisir!
On peut regarder en arrière, jeunes gens, on peut se féliciter, c'est beau, jeunes gens. Nous avons donc terminé les tunnels de Boston, et c'est donc sur ça qu'on va pouvoir se laisser, jeunes gens, pour cet épisode numéro 22. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pas de récompense à signaler. Je sais pas du tout si on va avoir quelque chose qui va se déverrouiller par la suite. District Sud contesté, mais oui je sais du coup parce que je n'ai pas encore attaqué cette zone. Je suis encore sur le District Nord. Je regarde un petit peu ce qu'il nous reste. Il nous reste énormément de choses à faire. On n'a toujours pas les derniers points d'observation et je ne sais pas si on en aura pour la suite. Mais c'est vrai que c'est quand même curieux comme histoire parce qu'il y a des endroits qui sont pas encore totalement éclairés, notamment le centre ou encore cette zone vers le nord. Bref, aujourd'hui on a bien avancé. Certes pas de mission principale, certes pas de réelle mission annexe ni de trucs scénarisés, mais l'air de rien on a bien progressé, notamment parce que ça va nous permettre par la suite de pouvoir nous TP où on veut à Boston, et surtout ce sera pratique quand on sera à la recherche de tout ce qui est annexe et de tout ce qui concerne les missions de postage ou tous les trucs qui avaient besoin qu'on se déplace rapidement en ville. Bref jeunes gens, merci à vous, si vous avez aimé cet épisode comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire, et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur AC3. Bisous tout le monde.